S'il vous a, pour le dire quoi, inspiré confiance. Ce qu'on peut retenir, c'est que peu importe la politique qui sera mise en place aujourd'hui, je pense que la situation des ouvriers, notamment des fonctionnaires aussi, des retraités, la dégradation de leur pouvoir d'achat, il est au quotidien, tous les jours. Donc ce qu'on attend, nous, c'est vraiment une reconnaissance, c'est du pouvoir d'achat qui nous permettra de rebondir et peut-être de relancer cette économie qu'on a tant souffert aujourd'hui. Alors on nous annonce aujourd'hui et on nous dit, il y a des cadeaux qui sont faits, notamment sur au niveau du pacte de responsabilité. Vous dites que c'est des cadeaux ? Oui, c'est des cadeaux. Je dis que c'est un cadeau qui est fait au niveau du patronat. Plus de 40 milliards de cadeaux qui est fait, sans que le patronat aujourd'hui n'ait vraiment pris des engagements. Voilà. Parce que vous savez ce qu'on entend. On entend dire les marges des entreprises ont diminué, c'est pour ça que notre compétitivité a diminué, c'est pour ça, c'est ce que dit le président de la République, c'est pour ça qu'il faut aider à retrouver notre compétitivité parce que c'est l'emploi de demain. Eh bien, la compétitivité, il faudrait peut-être vérifier d'abord. On peut aider les entreprises à être compétitives, mais vous pouvez donc, par l'intermédiaire donc de verser des aides publiques. C'est ça la compétitivité, notamment cette CICE qui sert aux entreprises à rendre compétitives. Mais derrière, est-ce qu'il y a vraiment une bonne utilisation? Est-ce qu'il y a un contrôle aujourd'hui vraiment de toute l'utilisation de ces fonds-là? Et au-delà de ce cadeau qui a été fait, c'est tout le régime de protection sociale en France qu'on va remettre en cause. La politique familiale qui est la meilleure d'Europe aujourd'hui. Et on va remettre tout ça en bas pour faire plaisir, notamment, je le dis, et je suis peut-être dure, à la finance. Aujourd'hui, on ne s'est pas vraiment attaqué au problème, la finance. Les grands patrons des grands groupes qui sont au CAC 40, qui en profitent et qui ne rendent aucun compte aujourd'hui. Et qui payent des pots cassés? Aujourd'hui, ce sont les ouvriers, ce sont les fonctionnaires, ce sont les retraités qui n'ont pas de quoi finir leur fin de mois, qui comptent leur argent dans leur porte-monnaie pour savoir, et je m'interroge auprès des politiques aussi, est-ce que vous savez ce que c'est de compter, vous, à la fin du mois? Est-ce que vous savez ce que c'est un retraité qui a travaillé pendant plus de 40 ans et qui a moins de 1 200 euros par mois? Est-ce que vous savez ce que c'est d'être payé à 9,88 de l'heure? C'est ça le quotidien des Français aujourd'hui. Je pense, mesdames, messieurs, que vous êtes déconnectés du terrain. Vous ne savez pas ce que c'est la vraie vie. Vous ne savez pas ce que c'est quand vous êtes au niveau de l'Assemblée nationale, que vous êtes au Sénat, vous votez des lois. Mais moi, je l'ai déjà dit à plusieurs politiques, je les ai rencontrés. Je vous invite, mesdames, messieurs, à venir dans les entreprises. Dites-moi parmi vous qui connaît vraiment les conditions de travail qu'on peut avoir dans les entreprises. Que lorsque vous êtes plus apte, on vous licencie. Que vous n'êtes plus rien. Voilà, qu'on vous enlève votre dignité. Quand on entend des commentaires comme on s'est permis hier de la part du ministre de l'économie qui a dit qu'il y avait des salariés de chez GAD qui étaient illettrés. Est-ce que vous savez qu'il y a des salariés qui travaillent dans des usines agroalimentaires, qui ont des bacs, qui ont des licences, mais faute de travail, faute de reconnaissance de leur qualification, ils se retrouvent dans ces entreprises? C'est vous qui mettez cette situation. Ça fait 20 ans que vous êtes sur une politique qui ne marche pas. Et aujourd'hui, vous faites le constat, vous êtes en train de vous remballer la pierre les uns aux autres. C'est pas comme ça qu'on avance. Aujourd'hui, Français ont envie de regagner de l'espoir, envie de gagner du pouvoir d'achat. Et c'est pas comme ça, c'est par les augmentations de salaire qu'on relancera l'économie. Jean-Christophe Cornelis va peut-être vous répondre, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs, mais je voudrais simplement vous poser une question.